Bonjour, c'est Diallo Ahmed. Vous êtes Sept secteurs de Gombo. Oui, qu'est-ce qui se passe ici ce matin? On apprend que les jeunes sont sortis de mettre des ordures dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? En fait, c'est la réalité que vous voyez ici. C'est les ordures qui se trouvent au niveau de la société que vous voyez ici. Que les jeunes, par colère et par réaction et par colère, ont déversé toutes les ordures qui ont été amassées ici au niveau de la société. Mais qu'est-ce qui a fait que ces ordures étaient là? Donc, en fait, nous au niveau du conseil de quartier, au niveau du quartier, ils ne sont pas au courant. Il y avait des tas d'ordures qui sont là. Mais quand même, pour ceux qui étaient là, c'était déjà visible qu'il y avait des tas d'ordures qui étaient là. Mais au niveau du quartier, on n'avait pas. Oui, mais qu'est-ce qui a amené ces ordures ici? Bon, c'est une ONG qui s'est dit qui a voulu se lancer, par des trucs de propagande, a voulu se lancer dans le cadre du débrayage et du nettoyage des ordures au niveau du quartier. Donc c'est cette ONG qui a ramassé tout et qui est venue. Malheureusement, l'ONG n'a pas été appuyée. Selon ce que l'ONG a dit, n'a pas été accompagnée et l'ONG a essayé de dessiner. Cela est retombé au niveau du. Mais on apprend que votre chef hiérarchique, le chef de quartier, aurait reçu 50 millions dans le cadre de cet assainissement. Là, au niveau de tout. Quand on. Ça, c'est, je ne dis pas que respecter la CIMI, parce que moi, j'ai assisté à différentes rencontres. Mais il n'a pas été question que le chef de quartier a reçu, parce que ce n'est pas le chef de quartier qui a travaillé avec ce PME, mais plutôt ce PME qui a travaillé d'une manière isolée avec certains responsables de secteurs qui sont là. Ok, merci.